La police dominicaine, mesdames et messieurs, arrêté un policier et qui lui-même joue une accusation dans un policier qui a participé à l'assassinat président Jovenel Moïse 6-7 juillet 2021. Gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue tout le monde sur TV Lakay. Aujourd'hui, c'est mercredi 3. Jeudi, 3 mars 2022 et c'est pratiquement 4e sortie nous pousser maintenant. N'a dit merci à tout le monde. Je vous dis là, nous portons un pile information pour vous sur assassinat président Jovenel Moïse. Enquête là a continué jusqu'à présent. La police continue à fouquer assassin. Eh bien, fois ça, c'est sous frontière et Haïti ak Saint-Domingue nan Dabond. Eh bien, la police dominicaine mette en barcode yon policier qui lui-même te gen mandat international d'elle parce qu'elle te participé nan assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, nous pral invite ou gen tout détail en dans vidéo ça. Quand il s'agit de Ariel Henry avec un ancien président Joseph Michel Martelly, bagayo pas douce du tout entre Denexayo, c'est comme l'état citron qui donc gros division, gros chirépite, bagayo doit nommer Ariel Michel Martelly lui-même besoin président encore une fois. Eh bien Ariel là, monsieur gè bagay nan mel en tout cas. Nous parlons vite au gè détail. Dossier guerre Ukraine avec la Russie, Ariel parle et monsieur prend décision contre la Russie. En tout cas, bagay ça fait mon penser. Nous parlons vite au gè détail. Il était connecté n'a tourné. Vous connaissez ça qui fait actualité à ces questions arrestation individu ça. Nous connaissons yo arrêté sous frontière. Mais dossier Jovenel Moïse, Tanistan Philomé, yo ancien policier qui accusé comme monde qui participe dans la mort ancien président Jovenel Moïse en 7 juillet 2021, jeune arrestation sous frontière Haïti à République Dominicaine. Pendant qu'il a essayé rentrer car voisin jeudi mercredi jeudi 21 mars 2022. Tanis Philomé a un mandat international contre lui et c'est l'autorité dominicaine dans la bonne qui a arrêté et remet l'autorité haïtienne dans le Wana Metan. Je n'ai pas appelé que Jovenel Moïse a été assassiné à la Cali dans Pelé 5 ans. Et bien, dans Pelé 5 ans, en plus, observateur a demandé pour quelle raison la justice pays d'Haïti pour qu'on capable envoyer un signal pour éclairer la nation sur Zach Silla. Nous connaissons président Jovenel Moïse a été assassiné dans l'année 6 juillet 7 juillet. Et bien nous et voisin quand même du milieu font coup de filet quand même bas nous malgré en dépit de tout problème que nous gagnons. N'a dit bravo avec autorité, bravo avec autorité et comme on dit responsable dominicain du milieu par rapport avec beaucoup de filets ça qu'on fait en parlant de Tanis Philomé. Est-ce que c'est un monde qui te prend $1,000 américains qui pouvait livrer président Jovenel Moïse, nous ne connaissons pas. Mais est-ce qu'il participe à ce pas là? C'est parce qu'il a planifié comment, pourquoi, nous ne connaissons pas. Mais certains nous connaissons, ils ont arrêté Tanis Philomé. Mais nous connaissons qu'il y a un peu de cas encore qui dehors. Nous connaissons dans 400, ils ont arrêté environ 40 personnes sous question mandat, sous question assassinat président Jovenel Moïse. Mais nous attendons toujours qu'il y a un peu de gros poisson qui dehors. Nous avons posé cette question, Léonel. Pour qu'il soit jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de mettre sur Léonel. Évidemment, et Salomon, encore une fois, nous saluons tout le monde qui a soutenu nous et qui a attendu nous et quel vous à côté et non seulement justement en Amérique et en Europe, tout côté dans le monde là et précisément diaspora et nous capables de dire. Et effectivement, son plaisir, nous allons parcourir, nous allons continuer de débattre de dossier ça, nous connaissons et jeudi à là et gagner et yon dossier là, côté que non seulement arrestation, yon et gros bras, et n'a pas appelé au policier ça qui s'est tanné. Tanis Philomé qui était justement impliqué dans l'assassinat de Jovenel, qui était un mandat international de elle, et nous avons dit Arisson ça qui va permettre, et mesdames, messieurs, et dossier avancer un peu plus et au niveau et justement avancement. Nous avons dit depuis bien des temps, pas gagner des nouveaux coups de filet qui fait. Mais nous connaissons quand il était mieux de mettre mandat de yo, et bien il y a plusieurs, mais nous là, et bien gagner un nouveau coup de filet qui fait, et bien quand même on dit bravo. À la police dominicaine côté que justement il est arrivé fouqué justement est-ce qu'on considère monsieur comme un petit poisson mais qu'on a dit et quand même c'est un policier est-ce que c'est un homme qui c'est pas $1,000 américains et bien nous pas connaît mais la seule chose est gagné justement et avancement qui fait dans le dossier et assassinat président Jovenel là il a arrêté justement une complicité au niveau frontière et Aïssano Dominicain, n'a pas permis de audio ça pour que n'a continué à souper.
On invite autant de audio ça, mesdames, messieurs, par rapport justement à l'arrestation ça qui fait la police dominicaine qui mettait en bas code yon ancien policier qui te gen mandat et nan la mort président Jovenel. Manoué, mais tout le temps, mais pas tout le là. Non, c'est un travail dans des politiques aujourd'hui. Vous n'avez pas gêné là? Non. Tout le temps, mais que tu vas aller à matin en Haïti? Non, je ne vais pas gêné. Non. Tu ne sais pas d'être? Non. Por que te acusan? ¿Por qué que te acusan? ¿Por qué que te acusan bien? No, es una vaina de política. Alto ahí. Voilà, mesdames, messieurs, pour même qui parle espagnol. Évidemment, nous sommes capables de comprendre justement, et c'est pas jouette. Et quand même, ça fait nous plaisir. Manoué, mais tout le temps, mais pas tout le là. Non, c'est un travail dans des politiques aujourd'hui. Vous n'avez pas gêné là? Non. Tout le temps, mais que tu vas aller à matin en Haïti? Non, je ne vais pas gêné. Non. Tu ne savais pas d'être? Non. Voilà, nous tendez ça, mesdames, messieurs. Justement, c'est les policiers dominicains qui t'a posé la question. Et évidemment, et puis Joël répond non, si nous t'avons fait un débat tout petit, ou capable, ouais, son policier quand même. Monsieur Bram même habla, hein, monsieur parle espagnol quand même. Évidemment, ou même qui parle parfaitement bien, ou capable de tirer accent, mais n'empêche, ça veut dire que son monde peut-être qui qu'on a habitué à rentrer Saint-Domingue, c'est pas un monde qui a rentré pour la première fois. Mais n'empêche, mesdames, messieurs, bravo. Et pour coup de filet ça, pour arrestation ça, parce que je pense que ça tombe bien. Nous avons bien besoin de ça. Évidemment, nous avons besoin de plus de tête. Nous disons Dominicains, pas de problème, merci, parce que faut nous reconnaître ça. Mais faut nous bailler vérité, mesdames, messieurs. Grand pile l'autre gros tête, là, grand pile l'autre gros poisson qui est actuellement en République Dominicaine. République Dominicaine dans les Antilles, grand pile là, d'ailleurs. Donc, nous, si ça nous on apprend. Nous apprenons quand même. Mais nous t'as souhaité que l'autre gros toyo ouvre pour nous également. Mais j'en nous dis, mesdames, messieurs, faut nous quand même avouer ça. Nous, depuis ce monde qui est impliqué dans la mort président, eh bien, gouvernement, ça, là, actuel, là, hein, il y a fond de gens pour nous sauver. C'est ça lié, Salomon. C'est pas l'autre bagaille, là, nous. Jimmy Nukab dit jusqu'à date, nous, ouais, et autorité judiciaire, autorité policière dans plusieurs pays, eh bien, arrivé, collaboré, côté que vous mettez plusieurs suspects en bas code, l'Inde la Turquie, nous dit, et la République Dominicaine, nous dit la Jamaïque, eh bien, et nous avons dit pays, ça, yo justement collaboré par rapport, yo aidé, arrivé, et fouqué quelques. Monsieur qui était justement participé à l'assassinat de président Jovenel, et bien nous, au niveau local, la police nationale, depuis dernier mois, pas arrivé à faire aucune arrestation qui vient à voir avec, et bien suspect qui impliqué dans l'assassinat de président Jovenel. Là, pour le monde, il y a plusieurs gros qui ont vivant dans le pays, qui ont circulé dans le pays. Là, pour Joseph Félix Bado, qui a circulé avec le premier ministre Ariel Henry. La police locale pas arrivé à arrêter, mais lorsqu'elle est arrivée justement au niveau Jamaïque, eh bien, il est arrivé Fouquel. Mais dans le même moment, ça tout nous dit, jeudi à l'an, eh bien, et John Joel Joseph, l'ancien sénateur, nous avons dit, ancien et soldat préval, eh bien, nous avons dit, eh bien, lui a présenté devant la justice jamaïcaine pour répondre à une question et nous connaît. Et John Joel Joseph, il a gagné justement implication dans le dossier assassinat président Jovenel, il a gagné mandat d'elle, mais aussi il a gagné infraction tout qu'elle commet contre la justice jamaïcaine. Et bien, nous connaissons après, il a venu auditionner, est-ce que finalement, il a justement transféré aux États-Unis, est-ce que FBI est prêt à prendre question en main, nous parlons de John Joel Joseph, mais nous connaissons pas un traité d'extradition qui est signé entre eux. Et Haïti et la Jamaïque. Donc, c'est sûr et certain, John Joel Joseph, il y a bien possible pour transférer
et by la justice américaine dans quatre dossiers assassinat président Jovenel là. Donc il n'est que d'attendre qui ça va le passer. Eh bien, est-ce que John Joseph va finalement collaborer pour by eh bien alcoolite moun qui était d'elle assassiner le président, est-ce que ou bien va plaider non coupable, nous pas connaître. Mais n'attendre à partir de les heures qui viennent, eh bien John Joseph il va le présenter devant la justice jamaïcaine. N'attendre qui ça va le sortir, mais pas oublier dans un moment là crucial côté que gain deux nan et suspect deux nan assassin yo. Et bien là prend bien que policier nous capable considérer comme un petit poisson, mais aussi John Joseph comme un grand, comme un gros requin. Et bien deux moun sa yo, et bien là et justement peuple haïtien va allumer projecteur sur yo. Qui nouveau, qui nouvelle et révélation qui va sortir, non seulement même policier ça qui c'est Tanis Filom qui a arrêté, mais aussi John Joseph qui s'est dit, nous voyons pendant dernier les SAO, quand même, pour gagner quand même, yon du plus dans quatre dossiers assassinat près d'un journal là. Donc nous même pour nous suivre qui ça, qui nouvelle information qui va tomber. Eh bien, auditeur de la Fébo TV, et nous capables de dire, pour que nous capables informer par rapport à, justement, variation qui a fait dans le dossier. Oui, bon. Et effectivement, oui, Léonel, nous sommes capables de dire, et sur Channel Moon, à faire bon TV. Ex-sénateur John Joel Joseph accusé d'implication présumée d'assassinat ancien président Jovenel Moïse, t'a auditionné jeudi 3 mars devant la justice jamaïcaine. 15 février dernier, un juge jamaïcain repoussé audition suspecte et nous connaît assassin Jovenel Moïse 3 mars, alors que famille John Joel Joseph a été fait une demande d'asile. Quand il était père, il était père entré en dehors payable pour être père pour sécurité. Et mais audition de John Joseph a été déjà reporté à deux reprises. Et mais non, première comparution après arrestation du dossier, John Joseph a été repoussé 15 février. Après ça, avocat Martin a été demandé plus de temps pour le tribunal de préparer défense pour client lien. Affaire a été envoyée pour 3 mars, nous parlons de Dieu même, après que l'avocat a été confirmé à la tribunal là qu'il était déposé en demande auprès de l'agence jamaïcaine et passeport immigration citoyenneté PICA pour obtenir statut réfugié avec épouse madame John Joel Joseph et ancien sénateur Daline Edumé qui a 38 ans et petit Lio et Chopinaren 17 ans et Abakou 9 ans. Yo même yo te craint pour te rentrer dans pays parce que te peur pour sécurité yo pour pas victime de persécution et acte violence déclaré et avocat John Joel Joseph recherché par la police haïtienne nous connaît pour voli présumé assassinat ancien président Jovenel Moïse et sénateur John Joel Joseph était arrêté 15 janvier dernier dans pays Jamaïque. Selon un rapport enquête direction centrale pour judiciaire John Joel Joseph était vraiment pas impliqué dans planification pour conduire à vous conduire dans tuer président Jovenel Moïse. Il fait partie de plusieurs suspects. Haïtiens, quand ils ont mis des mandats et contre nous connaissons un peu le mandat tout qui est retiré. Et bien, nous avons dit, John Joel Joseph était en contact avec plusieurs autres suspects. Donc, on a assassiné le président Jovenel Moïse. Il a parlé de John et Joseph Félix Badjo. Il a parlé de yon ancien fonctionnaire, unité lutte contre corruption, INCC, qui était également à travailler comme consultant dans le ministère de la Justice. Badjo, lui-même, toujours en cavale, pas que j'aime capable de venir. Jovenel Moïse, nous connaissons le président d'Haïti, qui était assassiné sauvagement dans la nuit 6 juillet 2021, dans la résidence Cipalien 5 à l'âge de 53 ans. Mais nous connaissons plus de 40 personnes qui sont déjà arrêtés dans le cadre après ça. Mais jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre, il n'y a rien formellement qui était dit, il était inculpé, mais nous attendons. Qui ça la justice a dit, même là nous connaissons Ariel Henry lui-même, ça va trop petit pour les policiers entrer, ils ont même la justice libérer les honnêtes. Évidemment, et Salomon et Jean-Claude Dillan, et nous avons dit, et présentation, et John Joseph, l'ancien sénateur haïtien, l'ancien sénateur, et justement de l'Ouest, et la pour le présenter devant et la justice jamaïcaine, mais nous connaissons. Présentation John Joseph devant la justice jamaïcaine. La justice jamaïcaine n'est pas qu'un synonyme de la justice haïtienne quand même. John Joseph, c'est contre eux. Et la justice haïtienne, lui-même, lui commet infraction. Faudrait-il que lui-même, lui, justement, gagne une question pour répondre devant la justice haïtienne. Mais nous connaissons la justice haïtienne qui est en clopicoplan pendant
pendant dernière année ça yo qui même impliqué malheureusement dans assassinat yon président côté que jeune des juges yo même qui étaient suspect dans dossier a des juges qui étaient candidats à la présidence et sous même pendant que président Jovenel yo pouvoir donc pas aucun nous pas fait aucun nous pas fait confiance à la justice haïtienne nous connaît et qui boycottage qui gagne dans même justice haïtienne non pour capable aboutir à jouer à bail président justice mais n'attend finalement pour que la FBI, mais pas oublier Dimi, et pendant qu'il n'a pas aidé la FBI, qui t'a supposé justement acheminer le dossier vers la FBI, mais quand même, nous connaissons les États-Unis eux-mêmes, yo impliqué dans le dossier, les affaires et conflits entre Ukraine avec la Russie. Ça dit, pour moi, ça là, nous pensons que il n'y a pas trop de dossier, trop d'intérêt, pendant qu'il y a une préoccupation en Ukraine. Là. Donc, nous suivons, pendant qui ça va passer dans le dossier, est-ce que finalement, eh bien, pour avoir des révélations, est-ce que pour avoir notre nouveau dossier caché, pour avoir des nouveaux non passés, au fur et à mesure qu'on est, il y a des arrestations qui sont faites, il y a une présentation, il y a une audition qui fait, ceci est certain, capable de gagner justement, capable de gagner des révélations, capable de gagner des noms qui sont là ici pour que les gens gagnent, mais si on est capable de bailler, si on apprend le cas pour policier ça, eh bien, on suivre. Mesdames, messieurs, auditeurs, on a fait bon TV quand même. C'est une très bonne nouvelle quand même dans le cadre de ce dossier. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel, nous avons un pion qui continue justement, des faits qui n'ont pas avancé. Donc, on a pu suivre, mais à travers le dossier ça, surtout présentation, John Joseph et aussi, policiers qui ont arrêté, qui ont un mandat international derrière, mais on a pu attendre, mesdames, messieurs. Oui, pendant, on a parlé de ça, mesdames, messieurs, c'est sérieux, quand même, ça encourage nous, c'est très bien.